Bonjour à tous. Bonjour. Frédéric et moi-même, Nathalie, éducateurs sportifs tous les deux à la ville d'Orvault, nous allons vous présenter aujourd'hui donc la série mobilisation haut du dos et tonification du dos. Et ensuite, une partie abdominaux magiques. Donc, vous vous préparez votre chaise, vous pouvez aussi vous installer dans votre jardin, comme nous l'avons fait. Vous vous placez bien au bord de votre siège, les pieds largeur de votre bassin. Vous placez vos deux mains en arrière du siège, sur la partie arrière, les coudes légèrement fléchis. Et tout en expirant, en démarrant bien l'expiration du périnée, vous allez resserrer les deux omoplates, ainsi que les deux coudes. Puis à l'inspire, vous relâchez. Là, c'est pour travailler sur le dos creux. On échauffe toute la zone scapulaire. Ça permet en même temps de relâcher les tensions dans le haut du dos, d'étirer, d'ouvrir la cage thoracique. Vous voyez, la cage thoracique s'ouvre bien. De penser à vous auto-grandir tout le temps en appuyant bien sur les fesses et en poussant le sommet de la tête vers le ciel. Voilà. Vous relâchez 3 respirations, c'est déjà très bien. Si vous en voulez en faire 5, vous en faites 5. Puis maintenant, on va faire la contre-posture dos rond. Donc d'abord, vous montez vos deux bras à l'horizontale. Un petit peu moins vite, Frédéric. Deux bras à l'horizontale, paumes qui se regardent à l'horizontale. On tourne les paumes vers l'extérieur et on vient croiser les bras. On pose les paumes, les dos de main, pardon, contre les épaules. Vous avez vos deux coudes juste devant votre nez. Et là, il suffit, sur l'expiration, de lever les coudes en soufflant et en regardant à l'intérieur. Vous plongez votre regard dans le creux des coudes, tout en étirant bien la zone entre vos deux omoplates. Vous relâchez à l'inspire. Puis de nouveau à l'expire. Expirez bien. Voilà, super. On redescend encore. Et une troisième fois, toujours sur 3 respirations. Donc là, on étire toute la zone entre les deux omoplates. Ça fait un dos rond, mais large. Et vous relâchez bien ensuite. Vous secouez vos épaules, vous secouez vos bras. Pour maintenant vivre la tonification du dos. Donc là, ce sont des exercices où vous allez toujours placer votre respiration, en même temps vous étirez pour tonifier toute la chaîne postérieure. Donc on part les deux bras devant. Comme une flèche, on se penche vers l'avant, en appuyant bien le coccyx dans le siège, en grandissant le dos jusqu'au sommet de la tête, les bras presque collés aux oreilles. On souffle bien et on maintient cette posture 3 respirations. Vous devez toujours penser à éloigner le sommet de votre tête de votre coccyx. Entre ces deux points, on étire, on grandit au maximum. Et c'est là que la tonification se réalise. En même temps qu'il y a un gros travail des abdominaux, toujours, puisque comme on est toujours sur une respiration consciente, et dès que vous avez fait vos 3 respirations, vous relâchez, vous redressez toujours en vous grandissant, et vous secouez vos bras, vos épaules. Lâchez bien. Cette fois-ci, on va vivre la posture de l'oiseau. Donc on se penche de la même façon vers l'avant, toujours en étirant le dos, appuyez le coccyx dans le siège, étirez jusqu'au sommet de la tête, ouvrir les bras sur les côtés, puis en même temps qu'on ouvre les bras, on descend les doigts vers le sol tandis que les poignets sont poussés vers le ciel. On ouvre au maximum, on écarte au maximum ses bras, comme si quelque chose nous tirait vers la droite et vers la gauche. Et on maintient la posture 3 respirations.
puis doucement, on relâche les bras, les épaules en se redressant. Voilà, on secoue les bras, les épaules. Et on va réaliser maintenant les abdominaux magiques. Donc là, plus besoin de votre chaise. Vous allez prendre la posture assise sur le tapis, en sirène. Puis, on s'allonge sur le côté. On passe ensuite sur le dos. On reposture le bassin en basculant le bassin vers la poitrine. Et en étirant bien notre nuque, menton qui revient vers le sternum. On relâche les bras sur les côtés. Donc là, l'idée des abdominaux magiques, hein, selon la méthode Bernadette de Gasquet, c'est qu'ils sont discrets. Ils sont sans risque, ils n'impliquent ni mouvement du dos, ni déplacement du bassin, qui pourrait être douloureux. Ces abdos sont très efficaces. Donc, il s'agit là de faire le patinage, le pas du patinage. Il suffit d'appuyer tout d'abord sur le pied droit dans le tapis en expirant. Vous allez sentir toute votre paroi abdominale depuis le périnée, transverse, oblique, grand droit qui se contracte, qui se resserre, qui se tonifie. À l'inspire, vous relâchez votre appui. Donc il n'y a pas de mouvement, hein, simplement j'appuie mon pied. Maintenant c'est le pied gauche qui s'appuie dans le sol. Et sachez que les contractions des muscles abdos ont plus d'amplitude et de puissance en imaginaire. On imagine. Ces exercices imaginaires sont d'ailleurs couramment utilisés par la NASA pour entraîner les astronautes. Donc vous le faites sur chaque pied. Vous pouvez faire 5 fois chaque pied. Donc ça fait une dizaine de fois. Expirez longuement toujours. Et là, tout travaille. Les abdos transverses, obliques, les cuisses, les fessiers et le périnée. Et vous pouvez faire ce même exercice assis sur la chaise. Il suffit d'imaginer qu'on appuie sur le pied droit, d'imaginer qu'on appuie sur le pied gauche ou sur un Swiss ball, pareil. On va réaliser maintenant l'exercice en torsion imaginaire. Donc pour ça, on se place sur le côté avec le bras dans le prolongement du corps, la tête posée sur le bras, les deux genoux ramenés à 90 degrés par rapport au corps. Voilà, le bras est posé, l'autre bras supérieur est posé sur la hanche. Et là, on imagine qu'on remonte les deux genoux vers son visage et qu'on les amène, on veut les amener de l'autre côté, derrière nous. En mouvement de torsion. Rien ne bouge, mais si on palpe le ventre, le travail se fait. Frédéric, tu peux palper le ventre et montrer que le travail se fait. Donc vous le faites pareil 5 fois sur un côté. Là, Frédéric ne va pas vous le montrer, mais vous pouvez faire la même chose 5 fois de l'autre côté. Et vous voyez que vous pouvez être à la plage, vous pouvez être dans votre lit pour faire ça. Et ce travail imaginaire des abdominaux est très efficace. On va ensuite passer sur le dos pour réaliser un travail des petits obliques, donc des petits muscles qui sont, tu peux montrer Frédéric, au niveau du bas du ventre, voilà, qui prennent naissance, hein, c'est les plus profonds, ceux-là. Et vous allez imaginer que vous amenez les deux genoux du même côté. Alors pour ça, vous mettez bien vos deux bras de chaque côté. Voilà. Vous ouvrez bien vos bras. Et les deux genoux, on imagine qu'on les envoie à gauche en expirant. Et comme on les envoie à gauche en imagination, c'est les petits obliques à droite qui travaillent, qui retiennent. Les genoux qui partent à gauche.
Puis ensuite, on imagine qu'on envoie les deux genoux à droite. Et là, ce sont les petits obliques de gauche qui travaillent pour retenir en imaginaire les deux genoux qui vont à droite. Sans bouger notre taille, hein, c'est juste, on voit bien l'expiration se faire. Et tout le travail est dans l'expire. Et les muscles qui se contractent en imaginant qu'on emmène les genoux à droite, puis qu'on emmène les genoux à gauche. Puis on va terminer par les abdos grand droit. Un travail en isométrie. Vous allez imaginer que vous ramenez, alors tu peux poser donc les deux bras de chaque côté, Frédéric, voilà, plus près du corps, enfin, sur le côté. Là, on va imaginer qu'on ramène la cuisse vers le ventre, en soulevant, ou bien que vous soulevez un pied, sur l'expiration. Donc on mobilise la cuisse droite, on l'imagine qu'on la mobilise, qu'on veut la ramener vers la poitrine, sur l'expire. Mais là, elle ne bouge pas, évidemment, c'est juste... En imagination, à l'inspire, on relâche, et à l'expire, on fait la même chose en ramenant le genou gauche en imagination. Prenez bien le temps de relâcher à l'inspiration. Vous voyez bien le ventre de Frédéric à chaque fois sur l'expire, hein, qui se rentre, puis à l'inspiration qui se soulève. Est-ce que tu sens bien le travail musculaire, Frédéric, au niveau des grands droits, là ? Oui, je le sens bien, c'est impeccable. Merci. De rien. Et pour terminer, on va faire une petite détente avec la posture magique. Merci. Merci beaucoup. Donc là, il s'agit de bien se placer. Vous revenez du travail, vous êtes fatigué, vous n'avez pas spécialement envie de faire beaucoup d'exercices, mais vous avez mal aux jambes, vous avez mal au dos. Cette posture est magique. Vous voyez bien comment il est installé. Vous prenez une chaise, ou ça peut être sur votre canapé, ou ça peut être sur le pied du lit. Vous installez bien vos jambes sur le siège. Vous voyez, ces fessiers sont bien amenés sous le siège. Il faut vraiment... avoir l'angle entre les cuisses et le buste un petit peu inférieur à 90 degrés, de façon à ce qu'on sente que le bas du dos est bien à plat, posé sur le tapis, sur le sol. Et vous installez votre respiration abdominale. Vous mettez si besoin un petit oreiller sous vos occiputes. Et en quelques minutes, vous allez effacer toutes les tensions depuis la nuque, dans le haut du dos, dans les reins, jusque dans le bas du dos. Les yeux fermés. Vous profitez de ce moment. Les jambes surélevées permettent en même temps à la circulation de s'inverser, de ramener tout le sang vers les organes vitaux, de soulager les tensions dans les jambes. Sensation de lourdeur, surtout quand il fait chaud, et de mieux oxygéner tout votre corps. Voilà, quand vous êtes fatigué, au lieu de vous jeter sur votre canapé dans n'importe quelle posture, 10 secondes dans cette position, même en cas de sciatique ou de lumbago, c'est magique. Je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Bonne pratique. Au revoir. Au revoir.